La plupart du temps, quand je dis aux gens ce que je fais dans la vie, ça les fait marrer. Je suis chasseuse de primes. Et même si c'est pas toujours facile, quand Earl et moi on entre en scène, c'est jamais pour des petits contrats. On s'est forgé une bonne grosse répute avec le temps. Jusqu'à ce qu'on croule carrément sous le pognon. Mais un sale mafieux nommé Godzilla n'a rien trouvé de mieux que de vider tous les comptes en banque de la galaxie. Imaginez la prime sur sa tête après un coup pareil. Mais cet enfoiré nous a filé à chaque fois entre les doigts. J'ai alors imaginé le plan parfait pour le shopping. Mais bon. On peut pas dire que c'était l'idée du siècle, hein. Eh, hey, ta mère, t'as jamais appris qu'on tapait pas les filles, connard? Hey! Je vois que tu encaisses toujours aussi bien, Wynn. Mais venons-en à ce qui m'intéresse. Où est-il? Il m'a abandonné! Pitié! Plutôt crever que de balancer Earl. C'est ça. On parle bien de la même chose. Ça finit toujours comme ça ici. Bien une réponse, mais elle te plaira pas. Et on appelle ça le progrès. Il me manque ces bons vieux cubains. Garçon, des volts, s'il vous plaît. Allez, on passe aux choses sérieuses. Regardez-moi ça, un mouchard. Et pour quelle raison j'ai bien pu te laisser ce traceur? Préparez le comité d'accueil. Pourquoi tu m'en fous plein la gueule alors si tu savais pour le mouchard? Contact visuel. Il est au secteur H2G2. Je veux tout le monde là-bas. Toi aussi, je veux ce générateur. Va me le chercher. Apprenez à tirer.
dégage maintenant. Et comment on va toucher la prime maintenant? T'en as fait de la bouillie, crétin! Earl, et si on revendait le vaisseau? Bon, bah, reste plus qu'à nettoyer maintenant.